à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de Babo Séguin, une édition spéciale, accession à la propriété, au sommaire de cette édition. Faire construire sa maison individuelle et devenir propriétaire à 25 ans, c'est tout un projet de vie, une situation à la fois excitante, mais aussi peut-être parfois angoissante. Quelles sont les attentes des futurs jeunes propriétaires, leurs inquiétudes également? Nous irons dans l'Aube et dans la Marne à la rencontre de deux jeunes couples qui viennent de signer leur future maison. Comment Babo Séguin, quatrième constructeur national de maisons individuelles, répond aux attentes des primo-accédants? Sophie Thomas et Patrick Pesson, tous deux commerciaux chez Babo Séguin, sont nos invités tout au long de ce journal. Édition spéciale accession à la propriété. Sophie Thomas, Patrick Pesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc commerciaux chez Babo Séguin. Sophie Thomas, avoir sa maison reste un objectif, un rêve pour une majorité de Français. En même temps, c'est quand même un véritable investissement. Alors, quel est le profil aujourd'hui des primo-accédants? Le profil, nous avons des jeunes d'une moyenne d'âge de 25 à 35 ans. Donc salariés en couple et qui généralement sont en phase d'avoir un enfant. Alors, ils ont 25-35 ans, c'est ça? C'est la moyenne d'âge? Oui. Ils sont en train de fonder une famille? Tout à fait. Ils sont installés depuis peu de temps? Voilà. Alors Patrick Pesson, justement, le marché de l'immobilier, est-ce qu'il est favorable aux primo-accédants? Est-ce que le marché immobilier accueille finalement bien les primo-accédants? Le marché de l'immobilier accueille bien les primo-accédants. Il est assez favorable dans la mesure où il y a des aides, comme le PTZ, qui est quelque chose qui existe depuis plusieurs années et qui les met dans des conditions les meilleures pour pouvoir accéder à la propriété. Donc c'est ça, les aides financières qu'on met en place d'une manière générale, finalement ça les aide à franchir ce pas qui est peut-être parfois un petit peu angoissant. Sophie Thomas, justement, quelles sont les questions peut-être les plus fréquentes que se posent ces jeunes futurs acquéreurs? Eh bien les principales questions, c'est déjà de savoir si effectivement ils vont pouvoir accéder à la propriété ou pas. Une question financière peut-être? Question financière, tout à fait. Hein, donc le budget est très important. Donc c'est où là, nous, notre rôle est de conseil et de pouvoir aboutir au projet. Ensuite, ça va être justement le grand projet de la vie d'un couple, hein, malgré tout. Donc c'est vrai que ça va être des engagements pour eux et de ne pas s'engager avec n'importe qui. Donc, oui, c'est ça. Donc vous, votre rôle, ça va être finalement de convaincre que vous êtes les meilleurs. Pas force, je dirais pas, donc on est les meilleurs, c'est gentil de le préciser. En tout cas, les meilleurs pour les accompagner. Voilà, tout à fait, et surtout d'instaurer une grande confiance dans leur suivi. Je vous propose justement de partir dans la Marne. Gaëtan Durand et Hélène Meldré retracent pour nous toutes les étapes de leur décision finalement de faire construire leur maison. Reportage. C'est pour ce modèle que le jeune couple a eu le coup de cœur. On aura le soleil toute la journée sur la terrasse, ce sera parfait. Installés à Épernay, Hélène et Gaëtan ont décidé de franchir le pas. 3 ans après leur rencontre, ils ont décidé de devenir propriétaires. On a voulu faire cette démarche parce que pour concrétiser un peu déjà notre vie de couple, vraiment la solidifier un peu quelque part, se mettre ensemble. Et puis après avoir regardé un petit peu les prix des maisons, on s'est aperçu que c'était largement plus intéressant de faire construire. C'est une première acquisition, on ne part pas confiant, on ne part pas sûr de soi, donc on a besoin d'être accompagné, qu'on nous aide sur un peu tout ce qui est de la construction, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut moduler. Pour la construction de leur maison, ils ont décidé de faire appel à Babo Séguin et on peut dire que le contact a été plutôt rapide. On est passé devant une maison qui venait d'être construite et qui était Babo Séguin. Et on a craqué sur la maison, on a trouvé qu'elle était très mignonne. Et on a eu un premier contact avec la représentante qu'on a été voir sur Épernay. Donc. Comme c'est une première acquisition, qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances sur les démarches à suivre, elle nous a vraiment accompagnés, nous a expliqué vers où se tourner en premier lieu, quelles recherches faire. Elle m'a laissé sa carte de visite et dessus il y avait une photo, donc ça s'appelle la Ménilière. Et j'ai trouvé la maison magnifique. Donc, ouais, c'était tout de suite le coup de cœur, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est joli. Elle aime bien demander la vie à tout le monde maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fallu environ 2 mois à Hélène et Gaëtan pour concrétiser leur projet. L'étape la plus difficile a été de convaincre les banques. Et pour le terrain, ils ont bénéficié d'une aide précieuse. C'est donc Madame Thomas de Babo Séguin qui nous en a trouvé un. C'est vrai qu'on a eu un coup de cœur pour le terrain. Babo Séguin, il se déplace pour montrer le terrain.
On leur montre le terrain, ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et tout le monde ne se déplace pas. Donc elle s'est déplacée à chaque fois qu'on le lui a demandé. Avec la commerciale, le jeune couple a pu personnaliser sa maison à partir des plans de base. On va couper un peu un angle à pouvoir adapter, comme on a dit, à faire le canapé, la télé en face. On nous a proposé des arcs aussi pour passer d'une pièce à l'autre. C'est beaucoup plus joli. On a pu faire plein de choses, quoi. C'est très modulable en fait. Voilà. Elle était à notre écoute et en fonction de ce que vous voulez, elle nous a proposé un plan différent. Il lui arrivait même de deviner. Pour la salle de bain par exemple, elle a deviné ce que j'aurais aimé sans que je le dise. Et pourtant, le budget était serré. Pour la maison, on pouvait mettre. 85. Oui, 85 000. Au départ, la maison sur laquelle on a eu un coup de cœur était un petit peu au-dessus du budget. Et elle l'a plus qu'adaptée, puisque en fin de compte, on se retrouve en dessous du budget qu'on pensait mettre. On n'avait pas des grandes prétentions, on voulait juste un bon petit nid douillet hein, avec trois chambres pour permettre à chacun de faire sa petite pièce. On voudrait déjà être dans la maison, là. Mais bon, il faut être un petit peu patient quand même, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sophie Thomas, ce sont vos clients, hein, on vient de le voir. Alors Babo Séguin a une grande particularité, c'est celle de proposer des maisons avec des plans qui sont modulables. Il y a chez vous une très très grande souplesse, presque un service sur mesure. Est-ce que ça permet justement de répondre ou d'apporter en tout cas des réponses à des problématiques budgétaires? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, sans casser le rêve du client, peut-être de recadrer un petit peu justement par rapport à ce budget et de trouver des solutions annexes qui vont aboutir à un plan qui au final va les séduire sans pour autant rogner sur, la maison de leur rêve. Voilà, donc ça c'est une vraie force hein, de Babo Séguin, de pouvoir moduler. C'est une vraie volonté aussi, c'est de pouvoir dire on n'est pas qu'un simple catalogue sur lequel on va avoir un produit. On peut justement décliner multiples produits par rapport à ce catalogue. Patrick Pesson, la proportion des primo-accédants chez Babo Séguin, c'est quoi? Alors je pense que la proportion des primo-accédants chez Babo Séguin est de l'ordre de 50 à 60%. Quand même. Quand même, oui. Parce qu'il faut savoir que nous avons un produit qui est quand même un produit qui est largement diffusé et qui, on va dire, un entrée de gamme chez les constructeurs de maisons individuelles. Donc ça s'adresse, dans la mesure où on est dans un produit d'entrée de gamme, ça s'adresse davantage à des jeunes, donc des primo-accédants. Et donc cette modularité, finalement, ce sur-mesure, il va très bien justement pour les primo-accédants. Complètement, ça va complètement dans le sens des primo-accédants, à savoir que ce sont de jeunes couples qui cherchent quelque chose d'innovant, de moderne et facile de logement. Et je veux dire qu'il soit souple en termes d'architecture, donc de ça conception. Convient très bien des jeunes couples. Je vous propose de découvrir en images un nouveau couple de primo-accédants. Christophe et Sandra ont choisi également Babo Séguin pour construire leur maison. Ce jeune couple qui réside en centre-ville a décidé de s'installer à la limite de leur agglomération. L'objectif ? Avoir plus d'espace pour eux et leurs deux enfants. Reportage. C'est sur ce terrain que Babo Séguin construira la maison de Christophe et sa petite famille. La société de construction lui en a proposé plusieurs et avec sa compagne, il a choisi celle-ci à Saint-Julien-les-Villages. Je voulais quand même un terrain qui se situe proche de la ville, avec les commodités assez proches. Donc si on va de ce côté-là, du côté de Brévian, dans 5 minutes, il y a les bus de ville. Les démarches ont été assez longues parce que pour faire le choix du terrain, c'est pas facile. Je veux dire, il faut prendre son temps, c'est pas un achat, c'est quand même un achat assez conséquent, donc il faut faire le bon choix. Et puis je veux dire, à partir du moment qu'on a trouvé le terrain, on a mis en place, on a choisi une maison sur leur catalogue et puis on a fait des aménagements intérieurs suivant nos aspirations. La maison choisie par Christophe et Sandra, c'est la Ménilière. Ce qu'ils ont apprécié, c'est notamment la modularité. Notre choix s'est plus porté sur l'agencement intérieur plutôt que sur l'aspect extérieur de la maison en elle-même. Après, c'est vrai que quand on regarde la ménilière en elle-même, elle est quand même assez jolie d'extérieur. Mais le plus important pour nous, c'était l'agencement intérieur pour pouvoir faire des améliorations. Nous avons fait des améliorations dans le séjour. À la base, c'était deux porte-fenêtres ici que nous avons remplacées par une baie vitrée de 2,40 m. S'il nous arrive quelque chose, vu que nous avons des enfants, plus tard le bien leur appartiendra. Je veux dire, ils auront quelque chose pour démarrer dans la vie. Donc, puis voilà, après c'est un confort de vie, je veux dire, là-bas on aura un terrain, donc les enfants pourront jouer, on aura
un autre mode de vie qui sera plus agréable plutôt que dans un appartement avec des vis-à-vis et sans bout de terrain pour s'amuser pour les enfants, quoi, du moins. Avec deux enfants, ils ont aussi fait le choix d'une maison de plein pied. Et s'ils ont choisi Babeau-Seguin, c'est par le bouche à oreille. En fait, j'ai un couple d'amis qui a fait construire il y a assez récemment. Donc ils ont fait le tour des pavillonneurs pour voir lequel était le plus intéressant. Il s'est avéré qu'au final, ils ont retenu Babeau-Seguin. Donc comme moi, je leur fais confiance, j'avais pas envie de faire le tour des pavillonneurs. Donc on est allé se renseigner sur Babeau-Seguin. On a été très bien accueillis par Esther. Et donc le choix s'est porté tout naturellement sur Babeau-Seguin. Le terrain est désormais en cours de viabilisation. D'ici l'été prochain, toute la petite famille pourra démarrer une nouvelle vie. Patrick Pesson, quand on est jeune et qu'on investit comme ça pour son premier achat, on a bien souvent le sentiment que ça va être un peu l'achat de sa vie, la maison de sa vie pour toujours. Est-ce que vous accompagnez justement les primo-accédants? Est-ce que vous les conseillez peut-être sur une anticipation de ce que va être leur vie plus tard? Ben complètement. Il faut savoir qu'effectivement, les jeunes couples que nous recevons sont souvent sans enfant, voire un enfant, les très jeunes couples. Donc, bien évidemment, nous supposons avec eux, ils auront d'autres enfants, donc une surface de maison habitable, confortable. Et d'eux-mêmes, déjà, vont en ce sens, à savoir qu'ils souhaitent des maisons au-delà de 100 mètres carrés, avec un certain confort. Et c'est vrai que c'est quand même leur souhait le plus grand au départ. Est-ce que vous vous retrouvez face à des jeunes acquéreurs qui parfois justement sont tellement impressionnés ou tellement peut-être angoissés par ce futur investissement, qui est un investissement financier important en général, qu'ils n'arrivent pas à se poser peut-être les bonnes questions? Oui, il est vrai que souvent les gens sont quand même angoissés, surtout chez les jeunes, et donc les primo-accédants. C'est vrai qu'ils sont un petit peu angoissés, mais c'est là que nous intervenons et nous évitons qu'ils conservent cette angoisse en leur expliquant que c'est un achat certes important, mais qu'aussi également c'est quelque chose qu'ils font à long terme, c'est pour la construction de leur vie, et qu'on essaie bien évidemment de les déstresser le mieux possible. Patrick Pesson, si des personnes nous regardent, et elles sont évidemment très nombreuses, comment est-ce qu'elles peuvent vous contacter si elles ont bien sûr envie de franchir le pas de l'accession à la propriété? Eh bien, le meilleur moyen pour nous contacter, c'est bien sûr Internet et www.babeau-seguin.fr. Voilà. Être jeune, débuter dans la vie et devenir propriétaire en faisant construire sa maison n'est donc pas incompatible. Sophie Thomas, Patrick Pesson, merci d'avoir été nos invités tout au long de cette édition. C'est la fin de ce journal. À très bientôt.